Bonjour les internautes et bienvenue sur Etc, le podcast culinaire entièrement consacré à la nouvelle cuisine. Aujourd'hui je vous propose des sucettes de foie gras accompagnées d'un gazpacho de fraise tagada. A tout de suite. Donc pour réaliser cette recette, il nous faut un foie gras entier, 250 g de fraises, 5 belles tomates rouges, 2 cuillères à café de ketchup ainsi que de sucre en poudre, un demi-citron, une dizaine de fraises tagada, de l'huile d'olive, de la sauce soja sucrée ainsi que de la fleur de sel. Donc pour le gazpacho, on commence par les tomates. On enlève les queues, on coupe en deux. On enlève les pépins. Et que l'on va couper en petits dés. Ensuite, on fait de même avec les fraises. J'en décote. Et les claques, on coupe en quartier. Et nous continuons avec nos fraises tagada que l'on va simplement couper en deux. Donc pour le gazpacho de fraises, on prend un blender. On rajoute un quart de verre d'eau chaude. On y ajoute les fraises tagada. Comme ça, dans l'eau chaude, elles vont se dissoudre plus facilement. Ensuite, on prend les tomates. On y rajoute une partie, la moitié des fraises. Le ketchup, le sucre, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sauce soja sucrée. Et on mixe. Voilà. Donc on mixe pas trop, on laisse quelques petits morceaux. Ensuite, on va rajouter le citron. Et on rajoute les derniers petits morceaux de fraises et quelques feuilles de basilic. Voilà. Donc le gazpacho est terminé. Donc il a une belle couleur rosée, il est mousseux. Parfait. On le verse dans un verre.
et on va le mettre au réfrigérateur pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'au dressage de l'assiette. Donc pour nos sucettes de foie gras, on a découpé notre foie en rectangle assez épais, d'environ un doigt et demi, auquel on a rajouté une petite pique en bois pour faire la tige de la sucette. Et sur une poêle très chaude, on va légèrement les faire saisir une minute par face. Donc là, il ne faut pas avoir peur, donc ça rend du gras. On laisse bien colorer et on retourne. Voilà, hop, encore un petit peu. Et on arrête. Donc pour le dressage de l'assiette, on prend une assiette rectangulaire, blanche. On a fait toaster deux petits bouts de pain de mie, qu'on a découpé légèrement en carré. Et on dépose nos sucettes. On essaie de façon à ce que ça fasse quelque chose de joli. Voilà. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à rajouter un petit peu de sel. Et un tour de moulin à poivre. Et nous allons rajouter notre pistachio de fraises. Voilà, que nous disposons à côté. Et en guise de décoration, on prend une petite fraise. Voilà. Terminé. Voilà, donc nous avons nos sucettes de foie gras accompagnées d'un gazpacho de fraises tagada. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine en 2007 sur etc. pour de nouvelles sensations.